moi c'est Jérémy, j'ai 19 ans, je fais partie du projet depuis 3 ans maintenant. Donc le projet s'intitule « Chemin de partage horaire croisé ». Et le but de ce projet est d'améliorer les conditions d'éducation au Burkina Faso, notamment à Gitanga. C'est un petit village qui est situé à 160 km de Ouagadougou. On est 8 Français, on a rencontré 14 Burkinabés, je crois. Cet été, en fait, on est parti 3 semaines là-bas, au Burkina, à Gitanga, pour justement rencontrer ces jeunes et aider à construire le centre avec eux. Cette année, en fait, l'idéal, c'est qu'on arrive à récolter 12 000 euros pour couvrir les frais des travaux et aussi des formations. Nous, en tant que Français, on mène des actions pour récolter de l'argent. Notamment, l'année dernière, on a organisé un fest-noz, des repas africains, des actions bol de riz dans notre lycée, les demandes de bourses qu'on a fait un peu partout. On s'adresse à vous parce que vous avez le moyen de nous faire connaître un peu plus aussi et de cette façon de vous inclure un peu dans le projet en nous aidant. On a commencé l'année dernière, donc c'est un très gros chantier. L'année dernière on a posé les murs, enfin on a construit les murs avec des villageois. Cette année en fait le but est de poser les toitures et les ouvertures et aussi de commencer les formations, notamment de former pour fabrication de savon et du tissage. Moi j'espère que le projet ira quand même jusqu'au bout parce que franchement c'est un beau projet, personnellement j'y suis depuis presque 3 ans maintenant. J'aimerais bien que ça se réalise, j'aimerais beaucoup que ça se réalise jusqu'au bout, que le centre soit terminé, qu'il soit inauguré et que les premières formations commencent à l'intérieur. C'est le but aussi, et d'améliorer les conditions de vie du village aussi, ça peut être. Ça sera une chouette victoire pour moi que ça se passe réellement. Quoi.